Hey, salut les BG, c'est NewTito, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du DLC de Pokémon Écarlate et Violet, en l'occurrence ici Pokémon Violet. Et c'est le DLC du masque turquoise, la première partie. Je vous rappelle que la dernière fois, on était arrivé à cette espèce de festival japonais. Festival japonais dans lequel tout le monde est... Attends. Il n'y avait pas des stands avant ici? Ah, ils sont plus bas, non? Ah oui, ils sont plus bas. J'ai cru qu'ils avaient remballé. J'ai cru, tu sais, j'avais passé une journée tranquille, genre, vas-y, 24 heures plus tard. Et les mecs, ils se sont dit, ouais, bon, les gars, on remballe le festival des visages. Hein. C'est fini, hein. Plus personne ne viendra. Bon, bah voilà. Donc, et on avait fait ce festival des visages dans lequel il y avait de la glace pilée, il y avait des petits trucs, des pommes d'amour, etc. Des gens avec des masques. Mais surtout, on a fait un superbe jeu. Mais oui, on a fait un superbe jeu. On a couru après des ballons. Mais on a surtout vu par là-bas une silhouette chelou. Je me rends compte que je regarde pas du tout du bon côté, en fait. Bah ouais, en fait. Parce que là, quand je regarde là, vous avez l'impression que je regarde l'écran qui est derrière. Trop bizarre. Let's go. Vous avez vu comment il est professionnel, ce youtubeur? Et là, si je fais ça... Ah! On y est. On est bon. Là, je peux me mettre comme ça. Et là, on est bon. On regarde au bon endroit. C'est ça? On est bon, là? On est bon. Bon, c'est parti. C'est parti, les amis. Du coup, on doit se rendre vers la suite de ce DLC. Et surtout, aller... Oh, regardez, il est là-bas. Il est là-bas. Est-ce qu'on le prend en photo? Attends, on peut le prendre en photo, peut-être. Boum. Il est où? Il est là. Zoom. Comment on zoom? On peut zoomer ou pas? Incliné. Filtre. Oh, on peut pas zoomer? Mais non, on peut pas zoomer dans ce jeu-là? C'est quoi ce délire? On peut pas zoomer. Oh, c'est mal... C'est nul, ça. C'est nul. Filtre. Ah. Filtre. Distorsion. On peut zoomer un petit peu. Ah ouais, on peut pas zoomer. Ah ouais, relou. C'est chiant, ça. Oh, c'est pas ouf. Ok, bon. Eh ben, on va aller le voir, hein. Cet homme masqué, là. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous êtes... Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On pourrait croire à un gosse avec un plaid, hein. En vrai, hein. Mais en fait, moi, je me demande si... S'il n'y a pas un autre Pokémon caché derrière, parce que... Regardez, on dirait des pattes de Riolu, non? Non, pas trop. Non, pas vraiment, en vrai. Pont. Pont. Un mystérieux enfant masqué vous dévisage. Il est joli, ton masque. Mopon. Ok. Et Enti, faut que je te raconte. Cass est nul à la chasse aux monstres. Genre, zéro talent, frérot. Mmh. Bah voilà, t'as fait fuir le gosse. Le gosse. Mopon. Comment il pourrait s'appeler? Mopon. Ou Masque Mopon? Mopon. Parce que je crois qu'on ne connaît pas. Hein. On connaît pas son nom. Si je dis pas de bêtises. Bref, on va découvrir ça par la suite. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette personne, c'était quelqu'un de Paldea. En tout cas, c'était pas un enfant du village. Oh, ça va, hein. T'en sais rien que c'est pas un enfant du village. Tu connais tous les gens du village, peut-être? C'est vrai que votre village, il est petit, donc... je comprends totalement. Bon, on va continuer à avancer. Il doit être là-haut. Il est là, le poteau. Ça sent le combat arriver à plein nez, ça. Et Enti, ne pars pas comme ça. Et toi, là-bas, ça vaut pour toi aussi, hein. Elle fait peur. Roseille. Oh, elle est trop mignonne. Oh.
Oh, j'adore! Donc, il y avait bien quelque chose derrière le masque. Yes! Oh! Vous avez obtenu le masque turquoise. Vous l'arrangez dans la poche objet rare. Un masque turquoise à l'effigie du monstre qu'un être mystérieux a laissé tomber dans un escalier pendant la fête du village et que vous avez ramassé. Mais c'était qui ça? Je pense que c'était un Pokémon. Je pense que c'était un Pokémon. Mais n'importe quoi. Quoique, c'est dirigé vers la montagne. Ce qui signifierait que c'était peut-être le monstre de l'histoire sur les pancartes. Les pancartes? Le mec. Les pancartes? Ah là là. Une histoire vraie. J'ai du mal à le croire, mais ce masque qui a laissé derrière lui en est la preuve. Enti, Roseille, qu'est-ce que vous faites ici? On a rencontré le monstre. Là 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 là, mais quel temps magnifique! Hein? Mais ça va pas, Roseille? Pourquoi tu hurles comme ça? Moi, j'ai pas hurlé du tout! Je vois pas de quoi tu parles! Ah, ok. Vous étiez en train de parler de moi dans mon dos, en fait. Je retourne à la fête. Blablabla, blablabla, on n'a pas parlé de moi. Ça, elle est trop drôle. Ouf, je crois qu'il se doute à rien. Mais t'es fou, toi, de tout balancer comme ça. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et je sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il le vénère presque. S'il avait su qu'on l'avait rencontré sans lui, il l'aurait sûrement super mal vécu. Peut-être que j'exagère, mais je sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la catastrophe s'il avait été de suivre, il avait tenté de suivre le monstre dans les montagnes à une heure pareille. Je pense donc qu'on a bien fait de lui mentir. Et puis, c'est trop tard pour reculer maintenant. Je compte sur toi pour garder ça entre nous, ok? Et évite aussi de montrer à Cass le masque que tu viens de récupérer. D'accord. D'accord, Roseille. Une soirée palpitante s'achève. Ah. Une soirée palpitante s'achève. Mais on peut pas aller dans les montagnes, nous? Ils vont me dire, c'est peut-être pas le moment d'aller dans les montagnes. Il vaut mieux éviter de s'aventurer dans les montagnes. Mais après... Vous ne pouvez pas monter Miraidon maintenant. Ah ouais, donc ils ont tout fait pour pas qu'on puisse monter dans les montagnes. Allez explorer la fête des visages. Ah ouais, donc on peut vraiment pas y aller. Ah ouais, d'accord, ils nous ont bloqués, c'est fou. C'est des ouf. Vous ne pouvez pas monter Miraidon. Bien joué, hein. Bien joué les potes, hein. Moi, je voulais glitch, j'ai pas pu. Bon, allons-y, allons s'acheter un masque, même si on en a déjà un. Mais il faut pas le savoir. Je sais pas faire un clin d'œil. C'est comme ça que tu fais? Même si on en a déjà, hein. C'est ça? J'ai bien fait ou pas? Je sais pas. Je sais pas faire les clins d'œil. Bon, allez. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Rien de mieux que la fête de visage où rien, absolument rien, ne sort de l'ordinaire, pas vrai? Wink. Voilà, justement. Bon. Maxence. Tu veux rentrer? Bah oui, en soi, oui. On y va, je te ramène au centre culturel. En vrai, il n'y a rien d'autre à faire. On a fait tout ce qui était nécessaire de faire dans cet endroit. On est d'accord. Le lendemain. The next day. L'aube d'un nouveau jour. Alors, elle, faut faire attention. J'ai vu qu'on pouvait se softlock si on lui parlait derrière elle. Donc, ne parlez jamais derrière. N'allez pas derrière le comptoir. Derrière elle, puis ensuite vous lui parlez. D'accord? Ne le faites surtout pas. Sinon après, on peut plus lui parler. Bienvenue, salut! Soyez bienvenue, chers étudiants de Paldea, le centre culturel de Septentria, et là pour agrémenter votre visite. Sachez, les bordures de l'écran de votre smartphone smart peuvent normalement changer la région où vous vous trouvez. Changement visible de ça, par exemple, vous pouvez modifier le bordure des... On va mettre automatique. Nous espérons. Merci, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Où est-ce qu'il faut qu'on aille, là? À l'extérieur, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il faut qu'on sorte. La fête a commencé. Bah, la fête est finie, non? T'es allé à la fête? Justement, elle vient de commencer. Alors, profites-en. Bah, non. Aujourd'hui, je pars à la recherche des pancartes avec Roseille. J'y crois à fond. Vous en avez même pas encore trouvé?
Parce que nous, on a trouvé pas mal des pancartes à poteau. Hein. Va falloir que vous alliez un peu plus vite parce que vous allez pas vous en sortir hein, sinon. Nous, on s'en sort très 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 bing. Bonjour. Bonjour. Enti, te voilà enfin. On s'était pas donné rendez-vous, mais c'était pas une raison pour me faire attendre. En fait, il faut que je te parle. Je lui fais une voix à chaque fois différente, hein, Rosa, vous avez remarqué. Hein. C'est par rapport au truc qu'on n'a pas vu hier. T'en as parlé à personne, hein. Quel truc? Mais si, tu sais, le truc, quand on a rencontré le monstre... Je veux dire, le monsieur de la montagne, là. Tu sais très bien de quoi je parle, alors arrête de me faire marcher, ok? T'es vraiment le pire. Ah, la pluie s'est arrêtée. Parfait. Bref, je voulais te parler d'un truc que t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer nos lanternes. D'abord. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas et me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé, là. Ok. Elle change d'intonation à chacun des dialogues. À chaque dialogue, elle change d'intonation. T'imagines le truc? Incroyable. Ouais, j'ai du café dans ma... Dans ma gourde. Du café froid. Ice coffee, là. Toujours du bien. Vu que j'aime pas le café chaud, je préfère mettre du café froid. Même que je mets... dans mon café froid, je mets... Déjà, je mets du lait d'amande. Parce que le lait normal, il fait faire caca. Et je mets du Nesquik. Je mets du Nesquik, café, glaçon, lait d'amande. Et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Et c'est pas mal. Bonjour, bonjour, mon petit. Oh, salut, Enti. Évidemment, qu'il se lève maintenant, celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Enti est venu me voir, moi, pas toi. Mais... C'est pas juste, il y en a toujours que pour toi, Roseille. T'es qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que je viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Oh là là. Non mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Roseille, sois gentil avec ton petit frère. Bah quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé, hein. Bref, on s'en fiche, Enti. Montre plutôt à papy ce que t'as ramassé. Tiens. Qu'est-ce? À quoi tu joues? Tu sais très bien de quoi je parle. Le truc que t'as ramassé à la fête, là. Le truc que j'ai ramassé à la fête? Qu'est-ce que j'ai ramassé à la fête? Je sais plus, moi, ce que j'ai ramassé à la fête. Qu'est-ce qu'il y avait à la fête? Ah, si, si, je me souviens, maintenant. Ça y est, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Hop. C'est par là. C'était un truc... Puisque c'est exactement, quoi. Ça doit être là. Ouais, c'était ça. Un casque. C'était un casque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce donc? À quoi tu joues? Tu sais bien de quoi je parle! Bon, d'accord, ok. On va montrer le masque turquoise. Le mot smart. Tiens, j'ai pris une photo du truc. Qu'est-ce donc? À quoi tu joues? Elle va péter un câble. Bon, ok, le masque turquoise. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Oh, je n'en crois pas mes yeux! C'est le masque du monstre! Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. Hein. On l'a vu hier à la fête du village. Hein. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui.
Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. Hein? On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Ok. Tu penses que le monstre est méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire, comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Eddie. Après tout, tu as aussi vu le monstre. Ou devrais-je dire... Ogerpon! Ogerpon! Ogerpon? 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 Je sais pas. Je vais vous raconter sa véritable histoire. Celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Bah... Raconte-la, hein. Raconte l'histoire. C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à l'écouter? Bah oui, ça va, ouais. Ouais, tranquille. Pourquoi ils nous ont laissé une petite pause là? Petit suspense, c'est quoi ce délire? Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur les monstres. Une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devrez donc en parler à personne. C'est bien clair? Oui. Ouais, ouais, pas de soucis. Allez, c'est parti, l'histoire. L'histoire, l'histoire, l'histoire. Oh. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venu d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. C'est chiant, ça tape, c'est qui tape là? C'est qui tape, wesh? Je vais regarder d'où ça vient. Mes voisins, là. C'est des voisins du haut, ils tapent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des travaux. Quelle idée de faire des travaux un vendredi à 13h57? Je ne sais pas. C'est pas interdit, d'ailleurs, entre midi et deux, de faire des travaux? Eh, c'est interdit entre midi et deux. Seule une personne éprouva la compassion pour eux et fabriqua de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre était serti de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher la vérité et se mêler aux autres. Ils étaient tous les deux comblés... Mais... J'ai l'impression de me faire piquer par une araignée. Attendez, j'ai combien? Une, deux, trois? Excusez-moi, hein. Excusez-moi, hein. Mais... Parce qu'en fait, il faut que je vous dise, hier, je suis allé laver ma voiture. Et pardon, je vous coupe votre histoire, hein, mais c'est pas... Hier, je suis allé laver ma voiture au lavage auto. Et en fait, il y avait une énorme araignée qui est sortie de sous le capot de ma voiture. Mais genre énorme, genre... Genre ça, tu vois. Et c'était une vraie araignée et tout. Et donc moi, j'étais avec le jet du lavage auto, je l'ai fait dégager et je l'ai tué. Parce que bah moi, j'allais pas laisser vivre une mante religieuse. C'est pas une mante religieuse, là, c'est pas le nom de l'araignée.
Mais en fait, si c'était une araignée et ça, son prénom c'était Mante et elle était pratiquante, donc religieuse. Donc bref, Madame Mante, je l'ai tuée. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai découvert que sur mon short, j'avais une petite araignée. Une petite comme ça. Donc du coup, je l'ai tuée aussi. Mais du coup, je me dis, si ça se trouve, la grosse araignée, elle a fait des œufs partout sur moi. Et c'est pour ça que j'ai des boutons ce matin. Et du coup, j'ai peur. Et du coup, j'ai l'impression de sentir des araignées. Et ça fait peur. Bref, on continue l'histoire. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulées sous leurs masques. Ah ah. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques, qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une balade de Pokémon avides, une bande, pas une balade, je sais pas pourquoi ce serait une balade, une bande de Pokémon avides fit aussi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Le masque turquoise. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et les attaqua, aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qu'il s'était réellement passé dans les montagnes. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Ok, stylé. Mais c'est horrible! Bah ouais. J'arrive pas à croire, pauvre Ogglepon! On devrait plutôt aller appeler ces adoramis des abor-ennemis! De ouf! C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire! Il faut vite mettre tout le monde au courant! Reste ici! Je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne! Mais papy! Les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire! Ah non, pardon. Les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arriverait-il si l'on révèle que leurs adoramis tant vénérés ne sont pas ceux qu'ils croient? Oui. Non, c'est vrai ça. Ça passe très mal. Hein. Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Waouh. J'ai eu un ro, c'est simple comme les bébés. Je suis un gros bébé, hein, moi, c'est tout. Hein. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme un hérétique et persécuté. Persécuté, c'est-à-dire ils l'ont tué. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Hein. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se faire taire, de se taire, de se taire lui-même. Pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial, transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça?
Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Bah parce que Cass, il sait déjà qu'il est gentil. Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes. L'air de dire « j'en sais plus sur le monstre que toi ». C'est curieux. Et ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera revenu... quand le temps sera venu, je lui raconterai toute l'histoire. En tout cas... En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour rien dire à Cass. Hein. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais la réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogalpon. Vous confiez le masque turquoise au grand-père de Rosey et Cassis. Ne t'en fais pas. Je vais en prendre soin. Merci, grand-père. Et voilà, il sait toute la vérité maintenant. Et c'est ainsi qu'il va devenir méchant. J'ai trop hâte de revoir Ogalpon. Mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass ne se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Sûrement. Très probablement, même. Il zone au village. Waouh! Je pensais pas pouvoir faire ça, mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Bon, on va aller voir tranquillement l'ami, l'ami Cass. L'ami Cassis. Maxence. Où es-tu, Maxence? Maxence. Pas Maxence, hein. J'ai vu quelqu'un dire Maxence. Non, non, moi je l'appelle Maxence. Vous avez vu le Goupix là? Vous avez vu le Goupix là? Ouais. Hello Maxence. Ah, l'UNT. Je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? De tout et de rien. Moi, j'aimerais bien lui dire la vérité, mais bon. Ah! Bref, les pancartes. La dernière est un peu plus loin. Elle est dans la lande de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Le monstrueux, c'est drôle, ça. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon, ben, allons-y. À quel endroit c'est, ça? Pourquoi tu m'as menti? Oh là. Oh là là, on est en train de créer l'origin story d'un méchant du DC Universe là. Bon, on doit se rendre. Ah ouais, on doit se rendre là. Ah ouais, c'est loin. C'est loin, dis donc. Alors, par où on passe pour aller là? On passe là, on descend là, on tourne ici. Et on fait ça, ok, easy. Easy, easy. Eh ben, let's go, on va pouvoir du coup découvrir des nouveaux endroits. Eh ben, c'est parti. Allons-y. Et sûrement, des nouveaux Pokémon qu'on n'a pas encore capturés. Donc, soyons attentifs à l'entourage. Des petits larveillets, des petits mimigales. Bah, tu vois, c'est des mimigales, moi, que j'ai... Ah, mais là, on doit avoir des verres pommes, non? Elle est toute ronde. Non? Oh oui, ils sont là, regardez. Ah mais on en a déjà des verres pommes. On en a déjà des verres pommes, donc on s'en fiche en fait. Ah mais peut-être que c'est l'évolution de verres pommes après qui est mieux. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce qu'après, je crois qu'il y a une version de verres pommes. Oh. Il est là? Elle est là, regarde. C'est un verre pomme ou c'est un verre pomme spécial? Ah non, c'est le même.
Je l'avais jamais vu accroché à un arbre. Je savais pas du tout qu'il pouvait, mais ok. Ok. Alors écoute, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau des évolutions, mais... je pense qu'il y a un ver pomme qu'on peut gérer. Liane chétiflore. Je préfère Liane foliée. Hop. Ça, on a déjà récupéré ces Pokémon-là. Qu'est-ce qu'on a là? Chétiflore. Ah, chétiflore. Let's go. C'est quoi la balle Pokémon? On aurait dit juste une tête de Libégon là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va utiliser la Rapid Ball. Hop, Rapid Ball sur le Chétiflore pour le capturer. Voilà. Chétiflore, Boustiflore, Ampiflore. En vrai, on pourrait le prendre, non? Ah bah non, on a déjà Ténèbres. Pardon, j'ai un dit. On a déjà un Plante, donc non. Non, non, non. Non, non, non. Boum. Allez, Chétiflore, c'est ajouté. Vous pouvez obtenir une autre récompense. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est un ver pomme, ça? D'accord, c'est un ver pomme Terra Cristal. Ok. Bah, grand bien lui en face. Ok, Mediena, Fouinette. Encore un Chétiflore. Prends les petits trucs hein, qu'il y a. On a du jus de ver pomme, pourquoi pas. Un petit Mediena par là. Pokéball. Mimantis encore. Piqûre. L'attaque piqûre. On l'avait pas encore a priori. Sinon, il nous aurait pas fait une animation comme ça. Ok. Bon, j'ai pas tout exploré, hein, mais on l'a fait en surface, quoi. C'est juste histoire de voir qu'on n'a pas raté de Pokémon, mais a priori, on n'a pas raté de Pokémon. Alors, ici, on a repos. L'Emimantis. C'est quoi, ça? Ça, c'est un Larveillette. On les voit pas bien, c'est que des petits Pokémon, là, qui sont ici. Je vous avoue qu'ils sont pas faciles à visualiser. Ok, très bien. Des petites fleurs. Qu'est-ce qu'on a par là? Un abo, encore une fois. Le petit Larveillette ici. Pikachu! Coucou! Coucou Pikachu! Alors, regardons un petit peu ce que nous disent les panneaux. Vers la plaine de Glycine. Et vers le parc Adorami. Alors le parc Adorami, on l'a déjà fait. Donc, oula, Mimantis qui nous attaque là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement descendre la plaine et puis voir voir si on a d'autres choses possibles. Bon, Pichu, on l'a déjà, hein, bien entendu. Hein. Si on a Pikachu, on a Pichu, forcément. Qu'est-ce qu'on a par ici? Parce que là, ça doit être considéré comme une nouvelle zone, je pense. Donc petit à petit, on va avoir des Pokémon un peu différents. Je vous propose qu'on mette Tefroi. Enfin, Ténèbres en première position pour voir un petit peu ce qu'il donne. D'ailleurs, peut-être lui... Attends, résumé. On va voir un petit peu les attaques qu'il a. Mais il doit avoir une attaque de type plante, Giga Sensu et Tempête Verte. Donc ça peut être pas mal d'aller dans notre sac et de lui donner un objet de combat du type... où est-ce qu'il est? Moi, je voudrais la graine. La graine, le grain miracle. C'est pas là? J'en ai un, normalement, de grain miracle. Puisque je l'ai piqué d'à... Ah, graine miracle, voilà. Et vous m'avez dit, d'ailleurs, que en effet, avant, ça s'appelait grain miracle, et maintenant, ça s'appelle graine miracle. Voilà, donc, ça a bien changé de nom. C'est pas moi qui dis n'importe quoi. La plaine de Glycine. Alors... Attends, je vais juste chercher ça et je vais t'affronter, toi. Let's go. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Bonjour, madame. Alba la terreur. Envoie un Mimigal.
Mimigal. Mimigal, c'est pas incroyable hein, ce qu'on a contre Mimigal. On peut faire Balombre. Balombre, ça va faire mal quand même. On va voir. Par contre, s'il nous fait une attaque de type insecte, on va être dans le caca. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, ça, il n'y a pas eu d'attaque de type insecte. Parce que insecte, ça aurait fait fois 4. Parce que... Ah non, non, non. Insecte, c'est pas efficace contre spectre. J'ai rien dit. C'est contre psych, c'est efficace. Un Rocabo. Ah bah oui, oui. Bah, contre Rocabo, on sait faire. J'espère qu'on est plus rapide que Rocabo, c'est tout. Rocabo, normalement, on peut s'en sortir tranquillement avec... Ah bah non, on va lui faire giga sans su, comme ça on se soigne. Ah non. Bon, tant pis, Poltergeist. Désolé. Désolé, désolé. On va partir sur des gens qui savent faire. Sparcolombe. Désolé, hein, Roca. Mais non, non, non. Pourquoi j'ai cru que je pouvais l'attaquer avec lui? Pourquoi j'ai voulu envoyer lui? Je sais pas du tout. Parce que j'ai envoyé vraiment le mauvais Pokémon, là. Bon, heureusement, Boulelec, ça fait mal, mais... Mais j'ai vraiment envoyé le Pokémon qu'il fallait pas, quoi. Vous avez battu Alba la Terreur. Bah, super. Bah, stylé. Bravo, Alba. Bravo, Alba. On voulait aller dans notre sac. Mettre un rappel. Parce que j'en ai pas mal. Rappel. Boum. Et maintenant, toi, on va te soigner. Voilà. Parfait. Alors... Y a-t-il des nouveaux Pokémon par ici? Ouh là là! Arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît. Une pomme sucrée. Un petit abo. Est-ce que c'est par là qu'il faut qu'on aille ou est-ce qu'il faut qu'on longe la montagne par ici? Ouais, je pense qu'il faut qu'on longe la montagne par là. Je pense que c'est... Ouh, Grayena! Ça va, Grayena? Peut-être le capturer directement. En vrai. On essaye. Ah oui, par contre, c'est direct contre... Ah oui. Et oui. J'ai mis le mauvais Pokémon en face, quoi. Après, avec la Rapid Ball, s'il faut, ça passe, hein. Et ben voilà. Easy. Easy, le Grayena. Easy, easy. Allez, et on va... Vous savez quoi? On va l'ajouter à notre équipe, le Grayena. C'est parti. On donne un surnom à Grayena. Grayena Mal. Et on va l'appeler... Bien sûr. Bien sûr. C'est une hyène. On est d'accord. C'est une hyène. Attends, une hyène, ça s'écrit comme ça. Hyène. Hyène. Oh là, c'est un super nom. Non, attends. Hop. L'apostrophe. Boum. Bam. Le M majuscule. Yenamar. Voilà, Yenamar. Oh, Yenamar. Tu vois, c'est une hyène et Yenamar. Donc on met Yenamar. L'inclure dans l'équipe. Oui, on va trouver un autre Pokémon qui va lui céder sa place. Et je pense qu'on va enlever pour le moment, pour l'heure, on va enlever Gambex. Ranger l'objet dans le sac, l'envoyer dans la boîte PC avec le Pokémon, c'est très bien. Bam. Allez, on agrémente notre équipe d'un Grayena, le Yenamar. Boum. Et objet, donner un objet. Peut-être lui donner... Il doit avoir des lunettes. Des lunettes pour les ténébreux, là. Non, il n'a pas des lunettes. Il a pas des lunettes pour les ténébreux, quelque part. Alors, regardons. J'ai beaucoup trop de trucs. Théière céleste, herbe blanche, sable doux. Pierre, orbe vie. Orbe vie, c'est pas mal aussi. Hein. Augmente la puissance. Pierre allégée, bulbe. Un bulbe jetable. Non, on veut pas des trucs jetables. Grain brut, creux rasoir. Capsule d'argent. Ah ouais, j'ai pas grand chose en fait comme objet. J'ai plus d'objets sur ma version l'autre que sur celle-là. Parce que je suis pas allé chez Cadoiseau en fait. Ça doit être ça. C'est parce que je suis pas allé chez Monsieur Cadoiseau. Et comme je suis pas allé chez Monsieur Cadoiseau dans ce truc-là, ben forcément, un Moshi comme une baie.
D'accord. Pierre Nuit. Nul. Théière fêlée. Poudre blanche. Précision. Herbe blanche. Sable doux. Pierre dure. Les types roches. Glace éternelle. Les types glace. Roche glace. Roche lisse. Roche humide. Pierre allégée. Casque brut. Il inflige des dégâts au... à l'attaquant. Ouais, écoute, on va lui donner un casque brut. On sait jamais. Hein. Hey, c'est toujours ça. Toujours un casque brut en plus. Hein. Bon, alors, regarde un petit peu ce qu'on a par là. Ah, on a des nouveaux Pokémon, là. Ah, qu'on n'avait pas encore. Alors, Morpeko, on l'avait, mais lui... Kung Fuin. Enfin, Shao Fuin. Kung Fuin. Je crois que c'est Kung Fuin, ça. Me semble-t-il. Kung Fuin. Attention à enlever l'intimidation. Il est fort. Il est fort, le Kung Fuin. Allez, la rapide ball. Nice. C'est capturé pour Kung Fuin. On est bien. Au revoir, Kung Fuin. Et nous allons... nous allons continuer. Alors, Tarsal, on a dit que c'était bon. Hein. On l'avait déjà. Vous pouvez... oui, ok. Il veut qu'on aille chercher une récompense du Pokédex. Allons-y, parce que sinon, il va nous saouler pendant 150 ans. Voilà. 120 volumes. C'est bon, là? On est bon? On a fini, là, de me dire les volumes? On continue. Alors, on a un Morpeko. Oh! Il est shiny, lui. Il est shiny, non? Il est beaucoup trop... ah, non. Il était vachement clair, le Larvibule, non? Enfin, vachement foncé. Je me suis dit, ça se trouve, il est shiny. Je sais même pas quelle couleur c'est, un Larvibule shiny, mais... mais tu vois, dans le doute, je me suis dit, si, c'est possible. C'est possible. C'est probable. Alors. Larvibule. Non, bah dans lui, on lui donne pas de nom. Non, non, c'est sa couleur normale, ok. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, Larvibule, alors. On récupère ça. Non, parce que là, je reçois des messages de tout plein d'entre vous qui me disent « Ah, j'ai déjà 3 shiny sur le DLC, des shiny random et tout. » Et on le sait, moi, je vais avoir aucun shiny et c'est tout. Voilà. On me connaît. On me connaît. On me connaît. Non, en vrai, j'en avais eu sur Pokémon Écarlate, enfin sur Pokémon Violet. On rappelle, j'avais eu un Cornèbre shiny dès le 3e épisode, je crois. Et j'avais eu également, je sais plus ce que c'était... si, bah si, le crabe azur, forcément. Forcément. Et j'ai même eu un cabriolet aussi, que vous avez du coup jamais réellement vu, mais j'ai eu un cabriolet. Parce que je crois que c'était en stream, si je dis pas de bêtises. Bonjour. Il faut absolument que tu ailles à la plaine des glycines. Tu ne me crois pas? Alors en garde. D'accord. Bonjour. Grenipio. Contre Yennamar. Allez, vas-y. Intimidation de Yennamar. On va partir sur Kuba. Ah, il a pas voulu faire d'attaque. Il va faire patience ou un truc dans le genre, c'est ça? Zenith. Aïe, aïe, aïe. Attention quand même. Kuba. Voilà. Boum. Explosion. Aïe. Ah, je croyais que ça allait venir jusque moi. Mais non, même pas. Ok. Bon, bah, il est KO, quoi, le Grenipio. Ok, on enchaîne. Un Simularbre. On va changer de Pokémon. On va envoyer... on va envoyer Ténèbres. C'est parti. Tu vas pouvoir te rattraper, toi, Ténèbres. Allez, Ténèbres. Albin envoie Simularbre. Boum. Et on va faire... on va faire Tempête Verte directement. Boum. Allez, salut Simularbre. L'attaque spéciale baisse beaucoup. C'est son dernier Pokémon ou il en a encore un? Ah, il en a encore un. Nénupio.
Nénupio, on va renvoyer Yennamar contre Nénupio. Parce que Pokémon plante haut. Va falloir qu'on essaye de trouver... Bon, après Kuba, je pense que ça peut lui faire un peu mal hein, quand même. Hein, au Nénupio. Allez, intimidation. Il est ténèbre normal, hein, on est d'accord, mon Pokémon. Hein. Ah, il est juste ténèbre. Ok. Bah, du coup, Kuba. Et bien entendu, il faisait une attaque. Danse pluie. Ok. Donc, après avoir fait le zénith, on met la danse pluie. Pourquoi pas? Oh là, le Kuba qui lui permet de tenir. Écosphère. Ok, j'aurais fait une attaque haut, moi, si j'étais lui. Mais bon, c'est pas grave. On va terminer avec Kalinri. Oh là là, il rattaque avant. Il est plus rapide. Ah, Yennamar. C'est bon. C'était dur. J'aurais pensé qu'il allait mourir. Hein. Mais il a pas mouru. On a battu Albin, le garçon de la fête. Bon bah, tout va bien. Alors, tu me crois maintenant? Ouais, ça m'a donné envie, en effet. On va quand même soigner nos petits Pokémon. Hein. Voilà. Je vais mettre plutôt Ténèbres en première position. Bon, on garde les autres en backup, hein, bien entendu. Tu marches vers quel endroit, toi? Ouais, voilà, tu t'es posé la question. Hein. Je me disais bien, ça paraissait bizarre. Ça paraissait bizarre. Ouh, un Mimantis, regardez. Regardez le Mimantis. Niveau 67, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est Manternel, d'ailleurs. C'est pas Mimantis. Mais bon. Bah ouais, ça c'était évident, ça rentre pas instantanément. Tendance. Ouais, mais tendance au petit soin devient essaim. Je sais même pas ce que ça fait ça. On va fuir. Et on va retenter. Eh ouais, parce que nous on est comme ça. On fuit puis on retente. Comme ça, ça nous permet de réutiliser une rapid ball. Ah ouais, mais il sort direct, quoi. Plaie-croix. Eh bah ouais, instantanément. Ah ouais, il est fou, lui. Fuir. Ah ouais, il est fou. Le Manternel, là, c'est compliqué. Hein. C'est complicado, hein, le Manternel. Hein. Allez, on réessaye. Intimidation de Grayena baisse son attaque. C'est bien, ça. Rapid ball. Allez, cette fois, c'est la bonne. 1... 2. Ah non! Et non. Tempête verte. Ouais, ben, je pense que. Vous savez quoi? Je pense que c'est pas le. Je pense que c'est pas le bon Manternel. Ah, vous n'avez pas réussi à fuir. Eh ben, stylé. Danse lame. Oui, mais. On vous laisse. On va vous laisser. Hein? Mille et une pattes, là. Mille et une pattes. On vous laisse tranquille. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cet épisode, monsieur Mantis. On a beaucoup aimé. Les amis, on va se quitter là pour cet épisode du jour. J'espère que vous avez kiffé. On est déjà à quasiment 50 minutes de l'épisode. On va continuer d'avancer vers ce nouveau panneau tout en capturant des petits Pokémon. Du coup, moi, je vous dis merci à tous d'avoir été là. On se retrouve très très vite et restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtitoff et bye tout le monde.